Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. Donc non, ça sera pas un vlog vu comme je tourne, c'est vrai qu'on peut penser. Mais non, pas du tout, je vais vous amener avec moi dans ma salle de bain pour vous montrer comment nettoyer et démêler une perruque. Donc pour les cosplayers c'est quand même très pratique de savoir ça. Je n'ai pas les bons shampoings exprès pour les démêlages de perruques, parce qu'il y a des shampoings pour perruques qui existent, mais ça je n'en ai pas. Donc je vais vous montrer tout ça en bas. Donc la seule chose que vous aurez besoin, si vous n'avez pas de shampoing spécial wig, vous prenez un shampoing doux, vraiment doux. Il ne faut pas un shampoing démêlant ou quoi que ce soit, c'est juste un shampoing doux, comme ça au moins votre perruque elle ressortira juste super bien. Allez, je vous amène avec moi et c'est parti! J'ai déjà vraiment tout préparé. Désolée du bruit, il y a des travaux à côté de chez moi. Donc j'ai mis mon trépied, comme ça je pourrais vous montrer. Et donc voici la perruque. C'est terminé. Donc le plus dur et le plus embêtant c'est quand même le démêlage de la wig, mais si vous la laissez tremper une heure et demie, il y a quand même plus de facilité que si vous la laissez tremper pas très longtemps. En plus il faut avoir le bon peigne, il faut avoir quand même un spray démêlant. Donc après voilà, ça dépend ce que vous avez, mais vaut mieux avoir les bons accessoires. C'est à partir du moment où vous portez des wigs, il faut forcément au moins avoir un peigne à dents larges. Voilà. Si vous ne savez pas où acheter des accessoires pour wig, je vous mets un lien en barre d'infos, ça s'appelle Cosplay Mat. Je vous le mets tout en bas en fait de la barre d'infos, vous avez une rubrique mes boutiques en ligne préférées et Cosplay Mat sera juste dedans. Voilà. Je ne suis pas en collab avec eux, hein, c'est juste pour vous donner un bon site internet où vous pouvez être sûr à 100% que c'est de la bonne cam. Ensuite donc pour finir la petite précision, la perruque. Vous la laissez sécher à température ambiante, pas au-dessus d'un radiateur allumé et surtout pas, mais alors surtout pas avec un sèche-cheveux, même froid. Il faut la laisser sécher toute une journée, voire deux jours, ça dépend après la perruque comment elle est fournie. Moi en général ça met une journée et demie, ça dépend après le temps qu'il peut le faire aussi dehors, à l'intérieur. S'il fait beau, ouvrez les fenêtres, mettez-la près de la fenêtre, je ne sais plus parler. Mais sinon, voilà, vous la laissez accrocher quelque part. Bon, moi, toutes mes têtes à coiffer sont prises, donc je ne peux pas la mettre dessus. Mais voilà, le mieux, c'est de la laisser sécher pendant un jour, grand max deux. Je pense que ça peut mettre deux jours, grand max, mais laissez-la à température ambiante. N'utilisez rien, rien, rien. Une fois que vous avez aussi, j'ai oublié de vous préciser aussi, une fois que vous avez terminé de démêler la perruque, c'est normal qu'il y ait des cheveux qui partent de la perruque. C'est tout à fait normal qu'il vous reste
une petite touffe de cheveux à la fin, c'est que une perruque, ce ne sont pas des vrais cheveux, c'est accroché à un filet, à un bonnet. Donc forcément, il y a des fois, ça accroche pas, ça tient moins. C'est tout à fait normal, même les perruques d'excellente qualité perdront toujours leurs cheveux. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente d'autres vidéos de ce style-là en rapport avec le cosplay. Moi, ça sera avec plaisir que je vous ferai ça. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait. Et suivez-nous sur tous nos réseaux sociaux, c'est tout en barre d'infos. En espérant vous retrouver au plus vite pour de nouvelles vidéos, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas !